intersidéral, le flow. Ah, c'est joli. Ah. T'as mis les challenges en butin ou en XP? Ah, XP, bon, mince. C'est en butin, là, que t'as mis. À part si c'est individuel. Ah, c'est peut-être moi, en fait, du coup. Ça me met peut-être moi en butin. Okay. Oh, mais sort. Il est là. Faudrait que je change. Bah, on va à double tchal, si t'es d'accord. Ouais. Lui, c'est mon mob. Enfin, c'était... Waouh. Ah ouais, ça va tranquille. Bah du coup, un PM, oublie pas. Ouais. Ah oui, c'est individuel, merci les gars. J'avais oublié ce détail. Alors, pas mettre prêt trop vite, je vais lancer. Mettons XP. Ouais, je te laisse mettre. Moi ça me met challenge au choix. Mais... Ah, ça me laisse XP moi en dessous, comment ça se fait? Faut que tu choisisses au début du combat. Moi je le mets en XP perso. Statut, en table, et en ligne de mire. Le challenge préféré de Mikul. On peut statut si tu veux. Statut, vas-y. Bon, ouais, je vais laisser venir. Hein. Bah, t'aurais pu poser tes portails. Bah, tu vas tout péter en. Oui, c'est pas faux, tu vas poser les portails. Les portaux? Oh. Prochain sort que j'apprends, c'est l'appel animé. Ça va être bien ça. Là, on a le challenge monstre. Enfin, on a le succès. Succès monstre, je l'ai pas eu moi. Ouais. Peut-être que j'ai déjà fait un peu de combat dehors, je sais pas. Cœur à vue et dans la même lignée. Je vais laisser les mobs venir. De se soigner avec Ruby vers l'or. Ah si, plante des champs, il est apparu là. Ah, ça marchait pas avec la... Ah, j'ai loupé dans la même lignée parce que ça marchait pas avec le sac. Oh shit. C'est dommage. Oh, il m'a chié sur la rodie. Décalé. Oh, il faudrait peut-être que j'aille chercher mon maîtrise d'envoi, moi. Salut Maranatha, comment tu vas? J'en pense quoi d'Unity? Gameplay et visuel, j'aime bien. Interface, j'aime pas. Dommage d'avoir loupé le chal. Ouais, j'avoue que... Le challenge. Oh non. Faudrait trop un titre, je viens d'y penser, mais faudrait trop un titre sur Dofus où le titre c'est j'aime pas les challenges ou j'aime pas les chals. C'est trop drôle. Et je traverse, j'ai une redit.
Ah, j'ai ouais, j'ai pas les PM. J'ai une redi. Comment ça va être bien dans un mois la bêta? Ce sera bien mieux, je pense. Bah, c'est sûr. C'est parti. Oh la vache, la map elle est petite. Hein. Bon. Partage. Raser les murs. Ça se fait raser les murs. Hop. Premier à jouer, c'est l'épouvanteur. Mais je préfère taper en zone. Tu l'aimes pas toi, Rex Ramus? Tu l'aimes pas trop, toi, le design des mobs? Des persos? Reste collé au mur. Hein. Ouais, je regardais si c'était ça ou pas. Je sais pas si c'était celui avec les mobs. J'ai du mal à les reconnaître encore vu que. Faut que je me mette là. Hop. Donc il y a un mob que tu dois tuer parce que moi j'ai déjà tué x2. Okay. Attention à la proximité des portails. Ça va et toi, Fantétard? Je vais user un peu de points de vie à celui-là pour t'aider. Bah ça va, hein, Fantétard et toi? À part Dodo, quoi. Dodo qui se passe pas bien. Ça fait bizarre, hein. Le boss. On dirait qu'il y a une espèce de barre dans ses yeux. Ouais, il y en a plein sur la map. Ils ont prévu le coup là. Ouais. Vas-y, on va attendre les points de vie un peu. Ouais. Les musiques me font penser à Waven. Ah ouais. Mais attends, je vais faire un truc. C'est les musiques de Dofus, hein, tu sais. Je reviens. C'est les mêmes musiques, elles ont juste été retravaillées. Alors, surtout quand je compare à ce qu'on aurait pu avoir avec Colibri, des designs beaucoup plus matures, ça m'attriste. Ah, il faut faire son deuil aussi. Colibri, ça fait longtemps maintenant. Mon tatouage à l'oreille n'a pas d'histoire. À part le fait que c'est un tatouage que je voulais faire depuis longtemps, que je voulais pas le faire en premier, mais finalement je l'ai fait en premier parce que ma sœur trouvait le projet sympa. Ma sœur qui est déjà bien plus tatouée, qui est tatouée de la tête aux pieds. Et elle voulait le faire aussi. Du coup, on l'a fait ensemble. Elle a fait l'oreille droite et moi l'oreille gauche. Salut Hélène, comment tu vas? Bonjour Emilaf. Franchement, je sais pas si je tiendrai longtemps sur la bêta, les gars. Je devrais. À mon avis, je passerai sur la bêta quand il. Je repasserai peut-être. Bon, je vais faire la journée d'aujourd'hui, certes. Mais je pense que je passerai plus de temps sur la bêta quand quand il y aura nos personnages. Ah ouais. Hiromikul, t'es prêt? Ouais. De toute façon, si jamais t'as envie de faire des sons, moi tu me dis, hein, je te suis. Coucou Touflux, je serai en live que jusque midi. Un petit peu moins peut-être, on verra bien. Alors, ici Mikul, il y a Collant et je sais plus quoi. On va avoir l'occasion de voir ça. On peut peut-être faire tueur à vue, ça serait bien, mais je crois que c'est premier. Je sais pas s'ils sont affichés les succès à faire. Ils vont s'afficher après, non? Élémentaire.
Ouais, élémentaire, ça peut se faire. Ah, la panneau bouffe, c'est quelqu'un qui me l'a donné, qui a arrêté de jouer. Ouais, nickel. Bon, du coup, le premier, c'est sur le boss. Colons. Ouais, chiant. On va pas pouvoir faire tueur à vue. Chier, je fais pas ça, je bloque. Ouais. Tu nous fais une rodie et on se fait le boss. Vas-y. Ouais, le chat de en jeu ne marche plus, Crémy. C'est que j'ai pas de PO ni rien ni de PM donc. Va se booster un peu. Hein. Comment on peut faire parce que là ça va être chiant en fait. Hein. Bah là t'essayes d'étendre la redi jusqu'au boss. Ah merde. C'est vrai que ça aurait été... Là, tu mettais la redi ici, là. Et on avait le boss. Enfin, faut voir, parce qu'après le boss, il va partir là. Ouais, c'est ça. Donc là, de toute façon... Si, j'aurais dû étendre la redi. Hein. Mais après, les mobs seraient rentrés dedans, quoi. Ouais. Merde, ça ping. Con ce truc, putain. Bon, bah, je vais faire ça. Voilà, c'est tout. En fait, vu que la gardienne champette est remontée, elle a bloqué le passage. Ah, ouais. Là, je peux rien faire. Si, tu poses un portail là. Je peux le pousser à la limite, ouais. Et ensuite, tu reposes à travers. Et tu reviens à mon cac. Vas-y. Par le bas si tu veux bien. Tant pis. Par le bas ? Ah pardon, merde. Trop tard. Non. Voilà. On peut toujours pas faire premier. Par contre, je peux me booster sur la gardienne champêtre. Est-ce qu'on va réussir à utiliser les portos? Ça va être relou, là. Mon portail numéro 1, il va disparaître au prochain lancement. Ouais, puis là... Pas la redis. Justement, c'est le 1 qui va disparaître. J'ai traversé là. Ton tour est fini. Ouais, dommage. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué le perso, laisse tomber. Hein. Je bégaye. Le sac qui bloque un portail. Alors. Oublie merde, pas. J'ai niqué le chat. Volant sur. Ouais. On va faire un sort qui m'attire là. Non, je crois pas.
Je peux faire si je peux t'attirer de 1 quoi, c'est tout, une pas fois. Deux. Ah si, ouais. Voilà, ah bah c'est comme bon, ça on va là faire on le boss. peut. Oui. Bon. Faut que je ruais vers l'or, j'ai pas le choix. Et là, on est corps à corps et on va pouvoir focus le boss tous les deux. Vas-y. J'aurais dû, en Alors. vrai, j'aurais dû faire ça dit quand même. Hein. Voilà, on bouge plus, on full rocks le boss. Vas-y. En essayant de tuer personne d'autre, quoi. C'est ça. Bon, c'est mort, hein, si jamais. Ouais. Les maps sont tous chez nous, là, c'est... Ouais, c'est le carnage, là. Salut, Nara. Mitigé, Nara. Mon envie de retourner sur 2.0... Très mitigé. Dommage. Ouais. Tant pis. J'ai joué comme un con aussi. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Carnage. Hop là. Vous allez bien dans le chat sinon? Bonjour, mais ça ressemble beaucoup à la 2.0. Bah, c'est normal, c'est le même jeu, remise. Salut, salut. Et bienvenue à toi. On va attendre un peu la Vita. Ouais. On peut même pas s'asseoir vu que les émotes sont désactivées. Okay. Eh bien, pas nuit blanche, mais je me suis couché à minuit, Malkabi, pour me réveiller à 3h, transpirant, trempé le lit et un orage qui éclatait, du coup... En train de courir tout nu dehors derrière chez moi pour ramasser le tankerville et les trucs qui s'envolaient. L'animation, elle se fait sur, tu vois, bah, les trucs qui bougent comme ça là. Le vent, l'eau, les reflets dans l'eau, les personnages qui bougent, qui respirent, la rework des personnages, des skins, global. Ça. Un tankerville, c'est... C'est quoi déjà? Comment qu'on dit déjà? Pour mettre le linge? Pour sécher? Un étendoir, merci. Un étendoir, c'est ça. Un séchoir. Je sais même pas comment... Je sais pas si c'est une histoire de région. Ouais, bah c'est. Voilà, tu. Soit t'as un tankerville, soit tu mets un. Tu mets une ficelle d'un bout à un autre et puis tu t'étends ton linge sur la ficelle. Étendre. Ah bah oui, étendre, étendoir. Mémo technique. C'est bon, t'es prêt, Mikul? Ouais. Let's go. Alors. Cette fois-ci. Bonjour. Il est très tôt, enfin pas très tôt. Mais là c'est pareil, hein. Les mobs vont le Salut Janko. Viens, on va par là-bas. On sera pas mal. Conquérant chiant, mais bon. Allez. Comment va le Jankeko? Un M Bolgrot Unity ou ça, ça. Aïe, aïe, aïe. Tu as joué du coup à la bêta Unity, Janko? Alors, Janko, dis-moi ce que t'en penses pour l'instant. Faudrait que je recule de 1 et normalement j'ai une petite zone des familles pour le toucher. 1.
Tant pis pour... Bah, il est déjà loupé. Mettre comme ça. Merci, les popos. Alors... Les popos, le popo. Le slash FPS, en fait, il se voit presque pas, mais il s'affiche en haut à droite. Regardez en dessous de l'écrou pour quitter le jeu. Hop, slash FPS, boum. Merci pour les follow, les gars. Salut, Bibi, comment tu vas? Chat combat qui remonte tout seul, c'est insupportable. Ah, y a plein de trucs qui vont être patchés. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des trucs chiants, comme le fait qu'on puisse même pas parler dans le chat. On conserve pas notre progression, non, les amis. C'est dommage que j'ai quelque le portail en bas. Je confirme. Ah, de toute façon, après, ouais. Ouais, je sais pas si t'aurais pu avoir la redit, du coup. De toute façon. Ah, il est cut? Ah, merde. Ouais, il est cut. Ah, shit. Oh, shit. Bon, bah tant pis. On va faire comme on peut. Ah, j'avais une petite redit des familles, là. Je pouvais mettre un gros tour à base de double force de l'âge. Je lui aurais chié dans la gueule. Là, je le laisse ouvert. Hein. Il traverse et il vient chez nous, c'est pas plus mal. Il aurait fallu que t'arrives à enlever ton 3. Soit je laisse ouvert, soit je ferme le 4 et le 2. Ferme le 4 et le 2. Et reviens à mon cac. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, on aura l'accès. Après... T'as fermé le 4 et le 2 et du coup ça a fermé. Qu'est-ce que moi je joue? Ok. Parce qu'on va rien faire. Tabasse-le. Ouais, de pas grand chose. Hein, bon. Oh putain, j'ai tué l'invo. Enfin, j'ai tué le mobs, c'était pas une invo. Tu veux faire le full chal ou pas? Bon, on est pas obligé. Hein. Ok. Bon bah tape là où tu veux. Merde, j'étais con. Salut The Skiro. Je te découvre par hasard suite à ma reprise de Fuse la semaine dernière et tu as l'air de bien porter ton nom. Tu es très cool. Merci, c'est gentil. Bienvenue à toi. Alors, Janko, visuellement au top, par contre tout ce qui est gestion quality of life, clairement pas au point. Huré, on a le même avis du coup, Janko. Je trouve que le jeu est fluide, le gameplay est fluide. Tout ça c'est bien. Par contre, tout le reste, franchement, je suis désolé, à part le gameplay, beauté du jeu, graphisme, gameplay, c'est bien. Même si bah, sur un écran 2K et 4K, c'est quand même assez flou. Un peu décevant, de ce point de vue-là. Bah, sans zone, n'hésite pas. Hein. Ouais. Mais par contre, tout le reste, un problème. Hein. J'espère qu'en 3 mois, ils ont des trucs à mettre sous... Des trucs sous le coude. Ah ouais, salut Doglingo. Sacrément matinal. Ah, je t'avoue que Elia Leko, aucune idée. Il a que 2 PM, tu sais, t'aurais pu laisser open. Laisser, ouais. Ça m'aurait permis de le toucher. Peut-être comme ça, mais... Ouais, ça marche on toujours. Pas les PM. Il remonte le portail, par exemple. Oh, bah, il veut pas. Alors, un petit rué vers l'or. Non, bah je vais taper sans portail. Hein. Attention à pas le. À pas le quoi? Ah bah non, de toute façon, on terminera pas le fight. Bah si. Ah, il reste encore le pissenlit et la gardienne. Ah oui. Là, on doit juste faire collant. Ouais. Au final. Au final, on est official, Mikul. Allez. Ah, ouais, il y a du aussi. J'ai un sort, il est tout le temps en gris. Ah merde. Quand même une dinguerie de sortir ça en 2024, mais tranquille. Ouais, je sais pas. On pourra dire ça quand ce sera la release.
en décembre, voilà. Décembre, si c'est comme ça, honnêtement, je ne défendrai pas. Zéro redit. Ouais, bah, je regarde un peu. Je me dis que là, si je me décale de 1, j'ai une petite redit. Ouais, on est que day one, par contre, lancement de serveur parfait avant l'heure et bonne fluidité, gros point. De fou. Imagine que les fights, on peut les faire vite, comme en mode créano anime. C'est beau ça. Hein. Après, c'est vrai que le chat qui fonctionne pas, c'est... Mais bon, les amis, c'est une bêta sur laquelle on doit reporter les bugs, et c'était sûr qu'il allait en avoir des bugs, et on est là juste pour ça, on n'est pas là pour jouer et s'amuser en mode... on est là pour... la bêta, c'est pour les bugs. Donc forcément qu'il allait avoir des bugs, malheureusement. Malheureusement pour l'expérience de ceux qui en ont rien à faire d'autre que juste tester la version. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on pourra aller faire un donjon, ouf tout. C'est chaud. Ouais, tu veux me faire meubler l'éponge avant, non? Si tu veux. Ouais, si tu veux. Je vais regarder le tour du monde. Il faudrait aller voir Metagrobil avant. Mais sinon, ouais... vas-y, on fait le... La famille, ça va pas marcher, moi. T'inquiète, elle est... Quoi? Regarde dans... Ah si, faut que j'aille voir. Si, j'ai rien dit. Ça a avancé, mais pas sur... En fait, le quête suivi sur le côté, il est bugué. Coucou Sinan, on va aller faire le mob et comme ça en revenant on pourra rendre la quête à Emma et Metagrobil. Merci. Attends, t'as dit quoi? Pardon, j'ai dit vas-y mais... On va faire un Solar et ensuite on ira faire un Bethel. Ah oui. Tu veux aller faire quoi là? Mob l'éponge, comme ça après on aura la quête Emma Tompous et Metagrobil à rendre. Ok, vas-y. Te rejoins. Bah, TP moins, avant de faire ça, faudrait peut-être que je fasse mon contrôle d'invocation. Tu devrais le faire aussi. Je me rappelle même plus comment on fait. Alors, je vais t'envoyer le lien au pire. Oh, attends, je peux regarder au pire. Enfin... Maîtrise d'invocation. Ok, alors, c'est parti. Aller voir ça, ok. J'ai créé un sacri à monsieur Janko. Et après, je me suis dit, faut que j'arrête avec le sacri. Ok, c'est la classe que je trouve qui a le plus de flow du jeu. Mais il n'y a rien qui va sur les classes mêlées. Après, tu me diras, avec Helio, je vais pas invoquer grand chose hein, au début. Hein. Ah bah, toi, ça te servira à rien dans les médias, oui. Comment va Monsieur Sinan? Comment va Damon? Et ouais, je suis en live depuis 2h30, oui. Salut Crash Chocu. C'est ça? C'est... Ouais, Crashou, pardon, Crashou. J'avais une crotte de mouche qui... sur le chat, sur le pseudo. Avoir des bugs aussi majeurs et simples à détecter qu'en lançant le jeu 10 minutes alors qu'on en entend parler depuis 4 ans, c'est même vraiment pas rassurant. Bah, le truc, c'est que chez eux, ils les avaient peut-être pas, hein, ces bugs-là, en faisant les tests. Hein. En fait, il faut prendre en considération certaines choses, comme le fait que autant de joueurs, c'est... En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a autant de joueurs qui a presque autant de machines, qui dit machines différentes, dit bugs différents, on n'a pas tous les mêmes bugs en plus, hein. Je pense qu'en plus les bugs se voient peut-être que en version online, contrairement à certains trucs, des fois tu vois, je pense que ça va plus loin que ce que l'on imagine. Ils ont dû faire des tests hein, chez eux. Et le chat in-game, il fonctionnait très bien, hein, Narco. À moins que tu aies arrivé sur le tard pour la bêta, aujourd'hui, ou hier. Il fonctionnait. Hein. C'est juste qu'il a dû crasher à un moment donné. Et plutôt que fermer les serveurs aux joueurs, là, ils se sont peut-être dit, bon. Tant pis, on cut. Ou alors il a crashé tout court et il n'y a pas encore de gens. Il n'y a peut-être pas d'astreinte cette nuit. Comme c'est une bêta,
Le chat, il a fonctionné tout hier, hein, quand j'ai joué, moi. Alors, est-ce que j'ai tout? Non, il me manque un truc. Oh, 3.32. Moi, je pourrais te TP, je suis devant le donjon. Je la ferai plus tard, la quête, au pire. La taille des maps, ça refroidit. Janko, on est d'accord, hein. Leur délire de 5 maps par sous-zone, là, au début, je me disais, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais là, franchement, faut changer quelque chose. Là, je suis allé à Incarnam, Astrub, dans la forêt d'Astrub, dans les alentours, je suis allé à Sifokia, je suis allé dans la zone Bouftou. À chaque fois, les maps font la même taille, et j'ai l'impression d'être juste sur une map où le coloris change. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, par exemple, quand j'appuie sur L, là, la map ressemble à ça, normalement. Ok, certes. Mais j'ai l'impression que il y a tellement peu de différence que actuellement, si c'est des maps comme ça pour les songes, ça va vite être compliqué, non? Par exemple. Sauf cas précis où c'est boss de donjon qui demande d'avoir sa map. Mais je sais pas, ça me fait un peu peur de ce côté-là. Bon, j'ai lancé un combat pour montrer, donc je vais le terminer rapidos. Mais... Le chat a dû lâcher au cours de la route à cause de la vague de joueurs. Ouais, des chances. Oui, il fonctionnait hier. Bah, tu sais que ça existe pas les maps de songe Pink Kirio. En fait, les maps de songe sont des maps de salles de boss. Pour voir si, du coup, ils conservent forcément les maps de salles de boss. Ou s'ils nous mettent... Oh, remarque, attends, si. Je vois le truc dans mon cerveau, ça s'est connecté les deux neurones du mec fatigué. Du coup, comme c'est des maps de boss, bah les maps de... Les donjons, eux, gardent leurs maps à eux. Bon, on a vu qu'il y a quand même eu des nerfs. Hein. Il y a quand même des maps de donjons qui ont été un peu nerfées. Attendez, j'étais pas censé faire un truc ici, moi. 3.32. Ah si, c'était deux fois en haut. Ouais, ouais, les maps de boss, my bad, hein, désolé. Alors, la suivi de quête disparaît, ça c'est un peu chiant, mais sinon, vous allez en haut à droite, là, et vous pouvez le réactiver à chaque fois. Donc, agaçant. Mais bon. Hop, la maîtrise d'invo, merci. Et tu peux TP si tu veux, mais je suis à côté. Regardez comme elle est belle, l'eau. C'est beau. Oh, le dialogue qui est skippable. Si. C'est pratique. J'ai cru comprendre que la taille des maps augmentera avec ton level. Tu crois? Ce serait marrant, ça. Bah écoute, je vais lancer. Conquérant un tueur à vue, on peut essayer. Vas-y. Je vais te mettre des PM. Vache, je vais devoir redémarrer le jeu. Ah, il est le cache. Hein. Ouais. Bah, tu vas devoir faire remettre tous tes trucs, quoi. J'ai mis des PM, comme ça, normalement, tu devrais pouvoir poser tes portails plus facilement. Si vous m'attendez un peu, je peux rejoindre Donjon Bouffe pour tenter Blitz, je suis en full Toddy déjà. Ça marche? Ah ouais, je pouvais pas me déplacer. Tu les trouves problématiques, toi, Janko, la taille des maps? Ils avaient dit qu'au fil de la progression, les maps augmenteraient en taille, mais... L'early et le late, on ne sait pas si c'est propre au niveau ou aux zones. C'est marrant parce que moi, ce que tu dis, j'ai l'impression que c'était par rapport au fil de la progression d'un combat, la map se détériore ou change. Ça, j'ai entendu. Ouais, j'ai vu. Alors, je sais pas. Plus, bah non, du coup. On va louper le chal sinon. Milieu, là. Ah ouais, bah oui. Attends, mais je vais louper les deux chals en fait. Hein, t'inquiète. Hein. Ah oui, c'est un peu dommage. Non, je vais louper qu'un tchal. Okay.
Donc là, c'est le vert qu'on doit faire. Ouais, ça me fait un peu ça me fait un peu peur. Alors, en vrai, je trouve ça très bien. Et honnêtement, si je devais mettre une note sur 10 sur la qualité du mode tactique actuel, et je croise fort les doigts pour qu'ils n'entendent pas les chouineurs qui veulent le retour du mode tactique avec les bords en noir, là. Ça, les gars, c'est un 10 sur 10. Hein. Alors, moi, je kiffe pour pouvoir jouer à Dofus, stream du Dofus, sans avoir le jeu sans décor. C'est trop bien. Et content que les animations se jouent aussi vite, par contre. Là aussi, c'est très très bien. Toujours une redis, moi. Si je t'attrape la mouche, tu vas regretter. Hop. Lance. Ah mais c'est pas possible, elle va me lâcher. Moi c'est ici. Et ça va péter. Péter. On va prendre chacun son monstre. Je vais aller par là et dernier en espérant que ce soit pas le mien. Cool. Ouais, j'aurais dû venir avec toi. Ouais, c'était fait exprès. Souterrain d'Astrub, Gary. S'il y a des questions ou des messages que je loupe, n'hésitez pas à les reposter, les gars. Vraiment, il n'y a pas de souci. En dernier du coup. C'est ça. Je vais aller le cac. T'auras peut-être la chance de lui faire une redis. Ouais. Tu peux là en plus hein. Ouais, je suis en train de regarder. Ah, tu peux pas poser à 4 PO ton portail? Si si, mais je me suis dit comment je fais après. Bah si ouais, t'avais fait ça pas. À travers. Ah non attends. Sinon il y avait pas assez je crois. La redis était pas bonne ouais. Ouais il y avait pas assez. Tant pis hein. Toi, hein. Bah moi je vais mettre longtemps à le tuer mais au pire attends. Le marteau là. C'est moi ou mon marteau il est il a pas ta... il a tapé avec ses poings mon perso. En fait il aurait fallu que je recolle le portail de 1 et que je mette à fond. J'ai pas vu de joueur SRAM j'avoue. Salut Arthès. Premier ressenti d'Unity, salut Calu. Graphiquement, les maps, tout ça, banger. Par contre, un peu peur de... Attends, on va faire un truc, c'est que je vais mettre ça là et je vais me soigner après. Hop. Un peu peur de la suite concernant l'interface. J'ai peur que l'interface soit comme ça, pour toujours. Que ce soit ça l'interface. Je t'attrape la mouche, je te jure. Oh, j'ai failli l'attraper en plein air. C'est quoi qui est pas ouf, Core V2? Ah, les SRAM. Non, je trouve ça très bien, les SRAM. Ah, je me suis niqué. Très très bien les SRAM, c'est juste que l'early du SRAM, pas évident quoi. Bah on peut faire double chal si tu veux. Ouais, je sais pas, là t'es en face du pigeon qui commence, mais je sais pas si c'est... Pas très grave. Ça va, vas-y. Il me dirait ils ont pas beaucoup de PV. Ouais. Serveur monocompte qui s'appelle 3. Donc c'est le monocompte 1. Ah, les SRAM ont peut-être de belles animations, c'est vrai, mais j'en ai pas encore vu. Dommage.
Il faut pas se fier à ça, Corvée 2. Vraiment. Faut se fier juste à ce qu'on a envie de faire. Merde, il n'y avait plus de points de vie. Honnêtement, je trouve l'ergonomie tellement mal faite, lui aussi, mais le reste est super. Quality of life est pas ouf. Par contre, gameplay, fluidité, les combats, nickel. Attention le tchal. Ouais. Passe le bon tchal, tu as vu. Je pense qu'aujourd'hui je vais m'occuper de regarder un peu. Justement. De regarder quoi? Bah les redis pour bien les faire. Ah! Il y a un bouffe tout noir dans le jeu, il est dans le donjon, oui. C'est marrant que la musique s'accélère quand on est presque à la fin du combat. Par contre, ça peut vite être agaçant quand tu fais un combat, par exemple, de songe qui est très long, où il reste qu'un seul boss, que tu mets longtemps à délock. Imagine. En boucle là, la musique. Pète ton crâne à la fin. Passer par là, moi, quand même. Alors, on va faire dans la même lignée et... Hueur à gage. Ben voilà, le gage est respecté. Un conseil d'élément pour un panda. R. Qu'est-ce que vous trouvez mal dans l'interface? Le chat durement lisible, l'affichage des sorts qui est un peu, selon moi, vraiment pas du tout lisible et agréable, contrairement à ce qu'on a sur 2.0 qui était très bien. Ça fait vraiment beaucoup d'effets. Certains spells en fait font la taille de l'écran. Hein, si on prend des spells DK Flip qui ont multiples effets via des cartes, via des machins, des bidules. On se retrouve, tu vois, par exemple là avec les stats de l'épée. On préfère largement slider, tu vois, avec la molette pour voir les effets en dessous plutôt qu'avoir le sort qui prend la taille de l'écran. Ça, c'est toujours lui. Ok. Oui. Et bah, meurs. Moi j'avais une zone, j'en ai profité. Toi veux louper le chat, toi? Oh, toi. Il y a un mauvais coton. C'est 3 PA cette merde? Non. Ah, j'ai opportunité, mais je suis trop bête. L'opportunité que je dois faire, pas bêtement. Du coup, je trouve que tu vois, il y a des trucs qui vont pas, comme ça de base. Ça a pas la bonne taille, t'es obligé de le mettre en grand, sinon c'est en petit, du coup bah c'est pas la même taille, là ici c'est un peu chiant. Donc tu mets en grand, tu fais comme ça. T'as 2-3 petits trucs comme le fait que l'aimantation ne fonctionne pas spécialement bien. Ça c'est des trucs qui vont être patchés, hein, mais en niveau changement, ça c'est très bien, je trouve qu'il faut pas que ça bouge, vraiment. Par contre ça, il y a une petite incohérence que je comprends pas. Ici on aime bien. Franchement, c'est cool. On devrait pouvoir slider pour voir les autres trucs, sauf si on voit tout actuellement, je sais pas encore. Mais... Il y a un mais. Hop. Mais ça... Alors... Ça là, je comprends pas. C'est marqué caractéristique. Et on a des accès à d'autres trucs qui ne sont pas des caractères. Donc on devrait avoir un truc qui ressemble à ça, qui mixe avec, simplement, ça. Non, je les trouve pas très jolis, en fait. C'est pas joli. Ah, t'as loupé le chat, là. Bah, faut que je... Merde. Oh, le con. On est toujours dans la même lignée, au moins. Ouais. Ça fait 3 tours, je tape sur le pichon vert là avec mes résistances terre. Désolé. Pas grave.
On va peut-être attendre de récupérer un peu de vie. Ouais. Parce que. Il y a moyen que ça cogne un peu. Oula, on serait plus sur Dofus, Beignet. À un point de vue à la première personne. Genre Dofus FPS. Ça sort quand Unity? En décembre. Salut Noche. Le message de Rip Curl, il est parfait. Quand on me posera la question, je pourrai répondre ça. Top la fluidité et le combat. RIP l'interface. Après, s'il faut, ils nous permettront peut-être de faire des thèmes d'interface où on peut même changer la forme de certaines interfaces, un peu avec des styles d'add-on, tu vois. Ça serait cool. Et je suis d'accord avec Little Guada. Perso, tu prends tout là, en apparence, les skins des persos et tout, les animations, tout ça, banger. Mais tu remets l'interface Dofus 2.0, parfait. Sauf 2-3 trucs qu'il faut bouger sur l'interface Dofus 2.0 qui peut être embêtant, mais... Tu me diras quand t'es prêt, Mikoul. Je suis full vie. Alors, j'avoue. Ici, je crois que c'est collant. Ouais, t'as déjà des cases sur lesquelles je peux pas cliquer. Collant et quoi? Faut que je... Il le cache, ouais. Je le fais tout de suite. Attends que ce soit mon tour de jeu. Tu veux que je te place où? Je sais pas en vrai. Attends. Casse du tout, ouais. Merci. Alors, je vais mettre collant parce que je crois qu'il y a collant de toute façon. Et Versati. Eh bien, ça tombe bien. Faut pas finir son tour au corps à corps d'un allié, donc sûrement pas collant. Par contre, faut faire Versati. On va faire, c'est qu'on va faire venir les mobs tout de suite, grâce à ça. Mettre un portail par tour, quoi. Pas pourquoi j'ai pas le droit de sac animé T1 ce coup-ci. Je crois que c'est une fois. Parfait. Alors, il y a Metagrobil qui est directement à l'entrée du donjon des champs et Hematompus qui est à côté de l'enclos à Streb. Pour les vendre, ça veut dire quoi un peu ça, je sens. Donc, j'ai le droit de taper tout le monde. Ah, j'ai été kick PO à balle. Ouais, les succès spéciaux sont buggés là, à skip. Ouais. Ah, je peux pas mettre le portail ici. Quelle tristesse, je vais mettre là. Ouais, tu pourrais pas. Je peux pas le mettre devant moi. Bah, j'ai une case bug. Attention vers ça. Nice. Ouais. Non, mais casse-toi, le pichon. J'espère qu'il se casse. Normalement. Mais il avait 2 PM encore. Il a usé 2 PM pour rentrer dedans. Et comme il a 2 PM de base. Oh le feeling. Pas le meilleur portail. De toute façon, on va pas forcément faire le boss en premier. Non, bah non. Donc, j'arrive pas à avoir les points de vie du pichon. Eh bien, le pichon va pouvoir mourir. On fait tour du monde, ouais. Effectivement. Ah, je vois, je... Effectivement. 1, 2, 3, c'est ici qu'il faut que je le mette. Ah, je peux pas non plus. Si.
Non, bah non, je peux pas, la case est buggée. Va falloir, vraiment falloir que je redémarre à toi. Tant pis, tape le pichon. Ah, ah, t'as réussi à louper Versati. Merde, putain. Quel connard, on ferait mieux de recommencer en vrai, non? Comme tu veux. T'en penses quoi? Je sais pas. Ce serait bien. Voilà, comme tu... Ouais, on s'en fout au pire. Putain, je pouvais même pas lancer mon spell au travers. C'était pour taper le boss. Je galère tellement à lancer mes... Ouais, faut que je redémarre. Ouais, on a fait un Karnam à 100% Everclose. Everclase. Alors, on va taper une première fois. Plus de chance. Pour direct. Ouais. Ah ouais, à chaque fois, je peux pas faire reprendre, faut que je quitte la page complète. C'est un peu dingue que Dofinity devait sortir il y a un an, je me demande ça en était où l'année dernière. Ça en était très loin à mon avis. T'aurais dû te pousser toi en vrai. Bien bloqué là. C'est toi que je devais pousser. C'est de la merde. Ah c'est dommage que j'ai niqué vers ça, on avait géré jusque là. Ah. Le soin là il fait pas plaisir. Ah ouais, tu te fais kick dans la milice. Ouais, de toute façon, là... Bah, Frargon, de toute façon, c'est... Moi, j'avais call qu'il y aurait pas grand monde sur la bêta. Hein. Il suffit qu'il y ait 2-3 bugs et les gens vont faire la mal... Enfin, vont se tromper entre le fait que ce soit une bêta et un accès anticipé, donc... Genre, il meurt pas. Moi, perso, je vais arrêter la bêta. Je pense qu'aujourd'hui sera la dernière journée bêta et... Et puis après, je jouerai à la bêta seulement quand j'aurai accès à mon perso, tu vois. Je jouerai à la bêta hors des songes, je pense, un petit peu, de temps en temps. Moi, je sais pas comment faire. Je m'entraînerai sur les lios comme ça pour apprendre à le jouer. Mais faut quand même que je fasse des camas sur 2.0. Je pense toujours qu'il aurait juste fallu faire un copier-coller de Dofus 2 sur Unity. Moi, selon moi, c'est ce qu'il fallait faire et effectivement faire leur changement graphique. Tu vois. Copier-coller. Ah, au revoir les portails. Ouais, copier-coller de la version avec changement graphique. Dead. Le petit poison aussi, mais ça devrait le faire. Ouais, c'est le piquant du rouge, du orange. Mmh. Allez, ramène-toi l'orange. Pourquoi j'ai mon sac animé qui est interdit? Ils ont désactivé mon sac animé? Salut Romilax, c'est quoi ça, What Kill? War Kill? Non, je connais pas. C'est une personne? Un jeu? Pas le droit de me déplacer, c'est bon. C'est fort ton perso, hein. Tu tapes, tu te donnes des PM en plus au début, c'est puissant. Hein. Une trophe, mon gars. J'aurais dû faire Salida en vrai. C'est ma nouvelle classe de cœur, la Nutrophe. J'aurais moins galère direct. Ça, c'est tellement un radin qui subtilise même les PM de ses adversaires. Il est fourbe. GG. Et GG, merci. 37. Oh le capitaine Igloot. Bon allez, on peut retourner à Strub. Ah, t'as rejoint ? Oui. Et vas-y, fais prêt. Hop. Donc il faut aller dans la taverne en premier. Bon, la taverne c'était juste en bas.
J'ai pas très bien dormi sinon, Mysterine. Vraiment, là, je suis beaucoup plus fatigué que... Enfin, vraiment chaud, quoi. Et du coup, il nous propose un donjon de bouffe-tout. Et au revoir, Emma Tom Poupous. Y a-t-il des coordonnées sur le serveur de... Je ne saurais te dire. Il y a plein de gens qui trouvent que la DA c'est un downgrade. Moi je trouve pas tant que ça, par contre c'est vrai qu'il y a certains skins. Par exemple on a vu des screens passer, des skins batailleurs ou des trucs comme ça. Bon bah, il y a des trucs qui sont moins jolis mais il faut laisser le temps à ce que certains reworks se font au vu des plaintes de la commu. Voilà, s'il y a des trucs que vous trouvez pas beaux et que vous êtes vraiment beaucoup à le penser, en Kama ils retoucheront. Hein. Salut Debonix. Mais sinon, vraiment, ça c'est une... ce qui est une vraie dinguerie, c'est qu'on lance des combats ultra rapidement, on les termine ultra rapidement. Regardez. Regardez la vitesse. Tu lances un combat, hop. Là, j'ai même pas fait exprès, j'ai voulu juste me faire prêt, j'ai réussi à passer mon tour sans faire exprès. Hein. Regardez juste si je fais deux remblés, d'accord? Hop. C'est rapide en vrai, hein. Le combat il est terminé, zéro lag, l'ensemble ouvert, regardez. Je peux spammer le truc mon gars, je vais pas bugger, hein. Regarde. J'ouvre l'onglet d'ensemble, le truc chiant, qui te fait laguer tout. Là je cours, j'ouvre la map. Je cours, j'ouvre la map. Franchement. Non ça c'est... Ça c'est cool. Après moi j'aime juste pas lui quoi. L'interface. Du coup tu voulais faire partir sur un autre donjon? Ouais, on va faire un bouffe-tout normalement. Allez. On va farmer du bouffe-tout pour essayer de faire une panneau en vrai. Après t'as un bon PC, c'est pas la même pour tous. Franchement... Ah, il y a Sinan qui a essayé de m'inviter, mais ça a disparu. Ah, c'était Sinan, le perso qui a essayé de nous inviter? Pas Omi. C'est bon, je t'ai invité. Ah. Voilà. Peut-être une TP, ça se trouve. Il y a Gary qui voudrait faire un bouffe-tout aussi. Ok, bah go. Ah bah Sinan a déco. Ah. Peut-être s'il a bug. Je joue sur un Mac, donc je sais pas si je vais voir beaucoup de différence au niveau de lag. Ah ouais? Même quand tu changes de map, t'as pas l'écran noir qui dure 2-3 secondes à chaque fois. D'ailleurs, en ce qui concerne le changement de map, normalement, on devait avoir un truc différent. Là, peut-être qu'il est pas encore mis en place. Tu m'invites? Je crois que ça m'a quitté du groupe. T'en invite. Mes culs. Merci. Pom 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 pom. Ça marche Lightstar, on te retrouvera au boss. D'ailleurs, pour ceux qui trouvent que si vous jouez multicompte, vous trouvez que vous laguez et tout, et faites bien attention à un truc les gars. Regardez vos FPS, c'est pas une blague. Hein. / FPS. Et en haut à droite, en dessous de l'icône pour quitter le jeu, vous allez voir vos FPS. Si ça marque des FPS du style 600, 1200 ou je sais pas quoi, là, faut vraiment que vous ayez les brider vos FPS. Tu joues 4 comptes à 600 FPS, tu m'étonnes que ton PC il a du mal. Ok, TP. Là, j'ai fait rejoindre, ça a pas marché. T'es puni. Non. Je suis deg. Hop. Dedans, oula. Bon bah tant pis, je vais aller prendre le zap, j'arrive. Je suis mitigé, Panda. Il y aura du monde à la sortie Unity, c'est sûr. Mais là, je suis un peu mitigé pour l'instant. On va attendre encore un peu. Oui, pour le boss, on essaiera un blitz. Bonjour, alcoolique. Hello, Fritz. What?
T'es allé dropper tes stuff blob déjà? Ah ouais, mais t'es chaud, hein. Ah ouais. Dropper ou crafter? Pour brider tes FPS, normalement le jeu est censé te proposer directement une solution qui est dans les paramètres. Mais là, c'est pas encore le cas. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur tes paramètres Nvidia. T'as une carte Nvidia, sinon bah une autre. Et dans ces paramètres-là, dans changer la résolution, tu as le choix justement... dans gérer les paramètres 3D, pardon, t'as le choix justement de mettre ton écran ou tes FPS à telle ou telle limite. Et si tu trouves pas, t'as aussi la version des jeux vidéo directement ou des programmes. Tu fais au programme cas par cas, tu vas directement chercher Dofus Unity Beta et tu le mets à 144. La dégaine en combat est bizarre, faut pas être accroupi pour la bagarre. Ce qui serait bien surtout, ça serait qu'il y ait chaque perso qui ait une dégaine différente en fight. Ça serait cool. Quoi qui m'a boosté comme ça? Le crash, je pense. Ah non, c'est l'épée divine et la puissance. Attends, quoi? Ah, alors je me suis boosté par le Yop, d'accord. Merci, alcoolique. J'ai joué un peu hier, j'ai tellement du mal à me hype en étant un joueur rétro, je culpabilise à mort car ça a l'air bien. Je dois me forcer à jouer et la hype viendra, pensez. Non, laisse un peu le temps. Laisse le temps à la bêta d'être d'une meilleure qualité pour que tu puisses apprécier le jeu, c'est tout. On va essayer de faire statue, hein, les gars. Ouais, alors, le premier, c'est lui là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Là. Une option pour désactiver les mouvements. En Kama, ils veulent pas qu'on ait du cancel anime, donc je pense qu'à mon avis, ça en ferait partie, tu vois, indirectement. Ils veulent pas, pardon, qu'on ait de nul anime. Salut Sun Pride, c'est moi ou les gens trouvent quand même ça décevant? Ouais, je pense que... Je pense qu'il y a pas mal de déceptions. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si tout flux se passe sur le chat, faudrait que je lui demande, mais il y a un problème avec ma barre de dons. Ah, mais par contre, il n'y a pas de son sur quand c'est ton tour de jeu, c'est chiant. Alors, le mob est là. 1. Ah, je peux pas cliquer, stylé. Ah ouais, c'est vrai, jeu. Donc là, si tu vas sur World of Warcraft, jeu, tu penses que tu peux désactiver les animations des sorts? Tu
Tu as l'air dégoûté, mon ami. Moi ? Non, je suis levé depuis 3 heures. Avec la tempête et tout, j'ai très mal dormi avec la chaleur qu'il a fait. Et 3 heures du mat, j'étais dehors, tout nu, en train de courir après les vêtements qui s'envolaient. Non, je suis juste fatigué. Après, moi, comme je dis, je suis mitigé concernant la version. J'adore le côté graphisme et les combats. J'aime beaucoup moins l'interface, mais si ça sort, je serai giga hype. Hein. Même si ça sort comme ça. Là, j'attends juste le mois prochain, je pense, pour pouvoir jouer mes persos et voir au niveau 200. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir si niveau 200, on se retrouve aussi avec des maps toutes petites tout le temps, en permanence. Ce qui peut vite être problématique, quoi. J'adore les animations, trop bien. Un mélange de Dofus et Weaven. Non, je trouve pas. Je vois toujours pas le point commun avec Weaven. Depuis hier, on n'entend parler que de ça. Les gens, ils disent « Oh, ça fait Wakfu, ça fait Weaven. » Je joue aux deux. J'ai bien joué aux deux. Pourquoi hein. C'est des jeux qui partagent le même univers, certes, avec des personnages qui sont similaires parce que, bah, c'est les mêmes classes, mais... Sans langue de bois, alors il n'y a pas de langue de bois ici. Ah, moi je dis toujours ce que je pense. Hein. Mais sans langue de bois, attends, je vais répondre dès que j'ai fini mon tour. Merde, du coup j'ai tapé dans le vide. On va s'écarter, tac. Je trouve pas que ça soit nul. Après, c'est vrai que ça fait quand même 5 ans. Bah, on sent que c'est un peu la galère de transférer le jeu qui existe déjà sur la version Unity, tu vois. À mon avis, ça n'a pas été très évident. Ça aurait peut-être été plus simple de recréer un nouveau jeu que de prendre un jeu existant pour le mettre sur la version, sur le moteur graphique. On va pas se mentir que c'est un peu décevant, quoi. Mais pas au niveau gameplay. Au niveau interface, je suis toujours de cet avis-là, perso. Interface, à prendre élitiste et en ligne de mire. Pourquoi il y a des gens qui arrêtent pas de ping ? Ouais, ça fait en cabas en fait, ouais, c'est ça. Attention, les postures personnages, ça fait pas Wakfu. Wakfu a des postures personnages pour chaque perso différent. Là, ils ont tous la même posture. D'ailleurs, j'espère qu'à terme, on aura des postures de combat par classe, histoire de les reconnaître, même avec leur stuff. Ce serait vraiment cool. C'est ça le mode tactique, Maranatha. La marche du matin, j'ai arrêté il y a 4-5 mois. J'ai arrêté parce que j'étais trop fatigué et que ça devenait redondant et que je me faisais chier. Voilà, mais c'est surtout pour le côté j'étais vraiment trop fatigué et que ma maladie, c'était trop compliqué de continuer. Il y a eu un trop longue période de fatigue et de mauvais temps. Ah mais moi, je me tue à Dofus Unity si ça sort, même si ça sortait dans l'état, je me tue sur le jeu. C'est sûr, le chat. Oh non, vous avez pas réussi à tuer le bouffon noir. Il est un peu loin. Je vais mourir. Je... No. Je suis... Et dégage. Hop. Yo, Gligoat. Mais voilà le pseudo ultime. Au lieu de Gliglo, Gigo, c'est Gligoat. Bah ouais. Nickel. Ça me semble tellement évident maintenant. Changer de classe sur bêta, tu peux recommencer des persos, mais le changement de classe, non. Bon alors, Gligo, donne-moi ton avis, là.
ton avis sur la bétoire. Tu peux me faire une disserte une toute petite disserte de 3 lignes. Ouais, faudrait que j'en mette, je sais pas. Ah, l'expérience combat, elle est trop bien, hein, Fantétard. Ouais, j'ai une maladie du sang, Aubin. Ah, mais purée, y a pas de son quand c'est à toi de jouer, c'est infernal. Ouais, c'est... Il suffit que t'aies un moment d'inattention et tu fais chier tout le monde. Comment ça, t'es invisible, toi, au fait? C'est nouveau, ça? Ah ouais? Déjà mort, c'est ça? Je suis pas invisible? Ça doit être un jeu. Je te voyais en invisible. Pour moi, t'as le point scintillant. Ok. Ah oui, moi, j'ai le point qui scintille, ouais. J'ai pas vu. C'est marrant. Le fils du Seigneur. Alors... Seigneur AI, hein, bien sûr. Ok, est-ce que vous êtes prêts, les copains? Vas-y. On va se soigner un petit peu, peut-être avant. Attention au bac, j'ai fait 10-12 pages. C'est beaucoup ou pas? Moi, le seul bac que je connais, c'est celui où on met des fringues dedans. J'ai même pas passé mon brevet. Un avis sur Unity? Je suis mitigé. Le gameplay combat, les graphismes me plaisent, mais le reste non. Ouais, c'est 50-50. On n'avait pas une personne à récupérer ici? Je vois qu'on est 5, ça tombe vachement bien. C'est pas no-name? C'est pas no-name. Ça pleut. C'est un Sadila, ça? Humidity. Un mini Nutrof. La minerie Kiki. Yo, je vois une Toadi. On a des artisans à ce que je vois. Ouais, j'ai même vu quelqu'un me montrer sa full panneau blop. Ah ouais. Les gens, ils sont chauds. Ils ont l'air d'avoir donné une priorité au combat, justement, et c'est tant mieux, je pense. Ouais, carrément, ouais. Après, l'interface, franchement... En fait, l'interface, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais moi, ça me fait penser à un truc le plus basique possible, tu vois, en mode... Ah, tiens, c'est en mode des thèmes. Ouais, genre, t'arrives sur Unity, tu vois des thèmes, tu fais... Ah, oh, clic, ouais, je vais mettre celui-là. Un peu comme quand tu fais un site Wix et que tu prends un thème. Je sais pas comment dire. Ça me semble... Ça mériterait en fait d'avoir une patte Dofus, tu vois. Ça fait l'interface que tu devs au début rapidement pour... Ah merci, voilà, c'est un truc comme ça que je pense. Bon après voilà. Bon du coup, tout le monde est prêt. Il y avait censé avoir une personne de plus. Mais je la vois pas. On est déjà 4. On devait avoir un cinquième, je crois. Je ne le vois pas. Les gars, blitz. Quoi ? On a lancé. Ici, ça blitz. Je... On blitz le boss ? Ouais. Ah ouais. Blitz or noobs. T'as de la chance, c'est réactif. Moi, c'est full bugué. Hop. Allez, blitz élitiste. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Oh, ça tombe bien. Allez. Il joue juste là, donc moi je ne peux pas le blitz dans l'immédiat. Et qu'il joue juste après moi. C'est pas omis, c'est bon. On va faire du coup ça. Ah mais j'ai pas le droit de prudent. Alors je peux pas détacler, du coup on pourra pas prudent, on pourra juste blitz. Ah, hein. Vas-y. Je vais faire quoi? À part faire.
Oh. Et... Alors, Gligo. Gligo qui nous envoie son pavé César. Je vais déjà lire à temps. Fanteta. J'ai remarqué un truc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il priorise le combat. Regarde la fiche d'un mob pour ton coéquipier en combat et regarde la fiche objet. Celle en combat est bien plus travaillée que l'inventaire. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, tu peux avec Alt les épingler pour les déplacer. Ce qui est fort pratique, je trouve. Tu vois, c'est comme ça. Et bah en fait, tu peux après le désépingler, tu vois. L'avantage, c'est que t'as un très beau visu de ce que le mobs peut faire, les PAPM qu'il a, même avant de lancer le combat. Ça, c'est très bien. Par contre, ça, il faut le changer, ça. Que ce soit comme ça ou comme ça, ça va pas. Ah merde, le tchal, c'est un peu dommage. C'est qu'elle a loupé le tchal. C'est le moi, le tchal. J'ai pas fait gaffe, my bad. Ça c'est bien con. Quel tchal tu parles? Il faut faire le chef de guerre, là. Le tchal en ligne de mire. Vous avez focus quelqu'un là? Le chef de guerre? Le chef de guerre, ouais, on est obligé de le. Il a été touché à... Bah, du coup, t'es resté devant le portail, du coup, je peux pas le taper avec mon sort préféré. Je pense que je vais faire plus mal si je fais ça, tant pis. Hein. Ouais. Il y en a un qui est mort, ouais. Ah. Et le yop. Ok, ouais, ça passe. Le blitz c'est sur le boss, ça va être chaud. Ah, le mob là, je peux l'attaquer du coup. Alors. Le chat ne fonctionne pas pour tout le monde, ouais. Gligo qui nous a donné son avis. Alors, commençons par le début. L'interface de lancement du jeu fait vraiment jeu. Attends, l'interface du lancement du jeu est vrai jeu et fluide, un peu comme tout le reste. Tout est super fluide, et ça, pour nous les anciens joueurs, c'est un pur kiff. Ouais. Alors... Les musiques, j'ai eu l'occasion d'aller un peu partout dans le monde des 12, et elles sont toutes incroyables. Masterclass pour Brack. Les combats sont rapides et c'est génial. Maintenant, les mauvais points, interface petite et pas évidente, mais faut y s'y faire. Ça va être chaud, mais faut focus le bouffe tout. J'ai tapé, mais il l'a soigné le boss. J'ai toujours pas la Rodi ici. Non, je pense pas. Tant pis. Déjà, moi, je me suis fait une roue de cata. En vrai, il va mourir, là, je pense. Ah, quoique, chaud. Bah, là, c'est que Sinan ah, ouais. qui doit l'utiliser, mais t'es resté devant le portail. Ouais, bah, c'est ça le problème. Il le tuera pas. Non. Dommage. Hein. Donc Gligo qui disait, c'est une bêta, mais les problèmes de vitesse quand tu zoomes, c'est une simple variable. On voit qu'ils ont pas testé leur jeu. Le souci du chat et des quêtes, c'est insupportable. Donc à voir s'ils sont réactifs pour les modifier au jour le jour. Et les fameux 5 maps par sous-zone, j'étais déjà pas chaud lors de l'annonce, mais là, je confirme que je n'aime pas cette feature. Autrement, le jeu, j'adore. Alors moi, les maps, je trouve vraiment pas ça ouf aussi. Pour le coup... Attention à ce qu'il traverse pas. Voilà, comme ça, on se fait une petite rodie des familles. Histoire de bien le... Merde, le con, c'est pas le bon spell, ça. Ça va être tendu quand même, hein, 610 HP. T'inquiète, avec ta Rodi, ça va le faire. En gros, tu vois, par exemple, t'es dans la zone de Tenella. Et bah, dans Tenella, t'as que 5 maps possibles quand tu lances un combat. Ça veut dire que tu te bats pas sur la map sur laquelle tu te trouves. Tu lances un combat et ça te TP en instance dans la map, l'une des 5 maps. Ah, vous pouvez taper dans le 4, je crois, non? Ouais.
On va peut-être attendre d'être sûr d'être bien placé. Hein. Ah oui, mais là, normalement, le boss va se rapprocher à fond. J'espère. Est-ce que Sinan, t'es boosté? Hop. C'est le bon moment pour toi, Sinan? Je commence ou pas? Réponds sur le Twitch. Hein. Ok, donc Sinan, c'est pas bon pour lui. Ok. On attend encore. C'est ça. Je pense que je vais aller donner la possibilité au boss. Voilà, de roxer un truc. Vas-y. Tarodi est déjà bien, il va faire le kill et fuir. Coucou Big Bro, comment que c'est? C'est quoi la stratégie de mage de la bêta? Comment ça? Il y a des chances, Joyce Panda, ouais. Ah, je suis en plein dessus, là, sur la Rudy. Avec mon perso. Un peu dommage. Il n'y a pas de Rudy possible, t'as sur la map. Dans le 2, là. Le boss, il est comment au niveau PM? Ok, faut que je lui envoie une pelle. Non, putain! Pas possible. C'est bon, j'ai réussi à trouver l'endroit où il fallait cliquer. C'est bon. Let's go. Oh purée, plus tu cliques et moins tu peux cliquer. En fait, c'est comme si les clics ils détruisaient la cellule. Faut trouver le petit angle du carré qui fonctionne. Le petit côté là, comme ça là, tu vois. Demande d'ailleurs que tout soit ciblable comme ça. On va attendre. Y'a pas de guilde halogène, Big Bro. En fait, à ton tour. En fait, vous pouvez tuer mes épées et mes trucs comme ça si vous voulez. Comme ça, on aura une Rodi. Je te le rapproche comme ça. Sinan, tu tueras mon épée si tu veux bien. Fais attention, sort Kirox, pas les alliés. Et puis toi, traverse et viens là. Hop. Comme ça, le boss, en fait, il va venir va se rapprocher du portail. Il est bloqué là en plus. En fait, moi, honnêtement, le boss, je le vois venir ici. Comme ça. Ouais, je vais laisser le portail comme ça là. Voire même comme ça. Je vais laisser le portail comme ça, ça doit être pas trop mal. Alors... Franchement, s'il vient à l'endroit où j'ai dit, c'est chaud. Ah bah, il avait un PM de plus. Ouf. Ah, c'est chiant. Les invoques, je les contrôle parce que j'ai su aller chercher le sort contrôle des invocations. Est-ce que le jeu change par rapport au niveau des quêtes et tout, ou c'est exactement le même? C'est exactement le même. Le mode ami ne fonctionne pas pour l'instant, Big Bro. Y a pas grand chose qui marche de ce côté-là. Ah, si la case bug, tu peux zoomer et ça marche. Ok, d'accord. En étant affilié en Kama, tu peux dire ce que tu veux sans conséquence. En étant partenaire en Kama, je peux dire ce que je veux sans conséquence, oui. Ah ouais, carrément. Il y a zéro... J'ai zéro collier, zéro muselière. Là, par exemple, si je veux dire que c'est de la merde l'interface, je peux le dire. Pas de problème. Juste, il faut rester quand même dans le débat, tu vois. Faut pas insulter, faut pas... Bah voilà. On s'y met ? On commence. Sinan va peut-être pouvoir faire un truc. Je sais pas si vous avez... Il a peut-être pas les PM aussi. Hein. Au pire, il utilisera les dopous, tant pis. Hein. Allez, de toute façon, en vrai, le Blitz...
pas faire ma raclette, mais... C'est bien, j'ai réussi à faire un crit, c'est déjà ça. Tu l'as éclaté, hein. Ouais, bof, hein. Quand même. À la 2.0, t'arrives à la 2.0 ou à Unity Ruzen? Salut Pachi, tu joues 5 comptes, il y a 50 mecs sur la map qui courent et t'as aucun lag. Bah tu vois, nickel. Il y a des gens qui disent qu'avec un bon PC, 4 comptes, ils n'arrivent pas à jouer. Mais je pense que la plupart de ces gens-là n'ont pas fait attention à leur FPS. Il y a des gens là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il tournait à 1200 FPS sur le jeu. Tu vois ça par exemple, si tu sais pas, et que tu lances 4 comptes à 1200 FPS, bah à mon avis, ton PC, il aime pas. Ça marche, Gary? Je vois pas cette PM de toute façon. Je suis un boulet. Attends. Ah non. J'avais pas assez de PM, c'est ça le problème. Oh bah. Il restait combien? 223. Ah, j'aurais pu les faire avec une vraie redi. Hein. My bad. C'est pas grave. Sinan, si tu veux économiser ta faire, là. Si tu veux économiser ta clé, Sinan, je comprends, y'a pas de soucis. Hein. Tu veux retry? On refait. Allez. Pap, pa la pa la pap. Oh waouh. Ah bah oui, quand tu débutes Heliotrop, c'est pas évident les redis. Ah bah. On va attendre que les points de vie montent. Et surtout que j'ai rien regardé, faut que j'aille me renseigner parce que. Je me rappelle plus de rien. Salut la moustache! Toutes les classes sont très bonnes, surtout si le PVP t'intéresse pas, tu peux vraiment partir sur ce que tu veux. Vous pouvez régler vos FPS, mais dans votre panneau de contrôle d'NVIDIA ou trucs comme ça, ok? Donc pas sur Dofus. Peut-être question bête, mais peut-on régler les FPS même sur Mac? Alors là, je ne sais pas sur Mac, je sais pas comment on pouvait faire, mais c'est dans vos paramètres d'affichage de votre PC. Il permettra aussi peut-être à certains d'entre vous de remarquer que vous n'avez pas paramétré vos paramètres d'affichage depuis le début, alors que si vous avez un écran 144 Hz ou plus et que vous avez jamais touché à ça, bah vous êtes pas en 144 Hz. Impossible. Ouais, moi j'ai remarqué ça au bout de 3 mois. Parce que je jouais Apex, tranquille. Ça faisait 3 mois, 4 mois que j'avais mon nouvel écran là, 144 Hz. Et sur Apex, j'étais à 144 Hz. Je me disais, ouais, nickel. Ça tourne bien et tout. Et puis là, je regarde une petite vidéo, puis il y a un mec qui parlait de ça. Mais je me dis, bah c'est pas possible, moi c'est marqué que sur mes FPS je suis à 144 et mon écran c'est à 144, donc du coup je suis à 144. Sauf que non. Parce que entre ce que ta carte graphique et ce que ton jeu te permet de faire en FPS et ce que toi tu vois à l'écran, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Avis à chaud, les persos se ressemblent beaucoup trop. Il y a de la ressemblance une fois que t'es stuffé, oui, il faudra s'y refaire sur le fait de comment dire, de différencier un perso d'un autre. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez Dark Earth. Hop, ça là. Quand vous faites ça. Admettons que t'es sur un jeu, un FPS ou je sais pas quoi là. Et tu vois que t'es à 144 FPS ou plus. Hein. Bah tant que tu seras pas allé là. Et que tu seras pas allé dans changer la résolution. Si ici t'es à 60. Toi tu vois du 60. Même si c'est écrit 144. Des différences. Mais qui se ressent vraiment. Sur la fluidité de ton écran. Enfin bref. Sinon pour Dofus vous faites gérer. Pour le Dofus bêta. Vu qu'il n'y a pas d'option encore en jeu. Vous faites gérer les paramètres 3D. Paramètres de programme, vous cherchez donc Dofus Beta, vous trompez pas, hein, Dofus Beta, ici. Et là, ici, vous pouvez aller donc dans les FPS, nombre d'images par seconde maximale, c'est ici. Donc là, vous prenez, utilisez le paramètre global, tac, voilà, et vous mettez activé, vous prenez donc les FPS. Combat, crois, ouais. Bah super.
Je crois. Hop. Donc vous mettez les FPS que vous souhaitez limiter sur ce jeu. Je crois que tu veux que tu te mettes ailleurs, ouais. Genre, ouais, nickel. Voilà. Je peux pas. Non, c'est pour l'IA. Oh. Ouais. Il va full mêler. Le bruit du bouffe tout royal, super. Blablabla. Alors, on va faire ça. Ah, je suis mieux avec mon Eka Flip sur, sur 2.0, hein, je te le dis. Hein. En vrai, je ferais peut-être une autre classe parce qu'il faut que je la prenne tranquille sans. Je sais pas, j'irai bien. De toute façon, si tu fais des. Si tu refais des sons, je. Je repasserai sur les cas pendant les sons. J'aurai le temps de changer de classe après. Ou d'apprendre. Là, nickel. Ok, donc ça attire. Ok, reloading, comment tu vas? Ça fait. Ah, mais d'accord, c'est parce que vous insistez pour faire prudent, c'est ça? Mais en fait. Le problème, c'est que là, on est trop bas level pour faire prudent. À 4. Là, si vraiment t'envisages prudent à 4, alors que moi, par exemple, je ne peux pas sauter, ni me déplacer, je ne peux pas détacler, sachant que je suis pas R, Mikul non plus, et le Yop, je sais pas si la bombe du Yop à ce level-là. Je vocale quasiment jamais en stream à part quand je fais des songes Sinan. Déjà Blitz fait bien pour l'instant. Ouais. Je sais pas quel élément pour Yop. C'est quel OP Blitz? Ah bah le bouffetou a été touché à un moment à mon avis. T'as utilisé un sort d'Opu pour se détacler et t'as 2 points mob? Ça va, loading, pardon. Je trouve le jeu plus joli sur ton stream que sur mes différents PC. Ça fait hyper flou et pas net. T'as un écran comment, toi, Zephy? Parce que moi, sur un écran 2K, je trouve qu'il est relativement flou. Hop. Abandonné. Ah bah oui, si on fait pas Blitz. Je pense que tout à l'heure, on a try pour ça, non? Vous voulez que je recrute des gens? Je sais pas comment vous le voulez. Hein? What do you need, alcoolique? Oh non, c'est gentil. Non, c'est gentil. No need le pain. Ça ira, ça va monter tout seul. Ouais, elle est marrante, la musique de fin. La musique de décès. Il a peur au début très fort. Ah, c'est vrai, épée divine. C'est vrai. Ah, c'est toi, Pyro? Est-ce que t'es solo, Pyro, ou est-ce que tu veux venir avec nous? Un avis à chaud de la bêta. Gameplay, graphisme, top. Interface, quality of life, pas ouf. La même musique que Wavan? Ah ouais? Pyro. Mettez plus 1, ah bah non. Ouais, je suis fou là. Je aussi. Je regarde un peu, je vois qu'il manque des points de vie. Sur Pomi. Ah, il manque un peu aux gens. SRAM en early, ça se jouait R avant, mais je sais pas trop aujourd'hui. Salut, c'est moi où j'ai l'impression qu'il y a moins de cases sur le plateau de combat. Il y a eu pas mal de changements, ouais. Par exemple, il y a moins de cases aussi au meuble éponge. Et c'est parti.
pam 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 pam. Premier mise en trop. T'as fait des ventes hier, Gligo. Alors du coup ça va, tu l'aimes bien cette bêta, tu vas jouer plus qu'un jour toi. Le chat sur Dofus Unity ne fonctionne plus, oui. Là, on serait pas mal avec ça. Le prochain jouet qui serait agaçant, ce serait ça. Faudrait que je fasse ça. Pourquoi je vois des pings tout le temps? Ça m'agace de fou, là. C'est quoi? C'est parce que je passe la souris sur un challenge? Ou c'est buggé ou c'est les pings des joueurs? C'est les pings des joueurs, je pense. Ah! Pourquoi il y a des pings au pif? On comprend pas. ça va, ça me fait rire les pings sur moi. Mais en fait, c'est quand il y a des pings au pif comme ça, on peut pas connecter nos cerveaux par Wi-Fi. Ouais. Je pars en vac ce matin, mais quand je reviens, j'ai pour objectif level 150, 3K5 succès avec tout foot. Ok. Moi, je pense que je toucherai plus à la bêta. Peut-être jusqu'à ce qu'ils mettent nos persos dessus. Je verrai bien. Je vais te faire une redis pour le bouffe-tout, gros. Tu peux utiliser le Discord comme tu veux, Daemon, mais il n'y a pas de catégorie Beta Unity. Faut en créer un si tu veux. Salut Nitro. Je trouve que le semi-tactique interface fait très jeu mobile. Bon, je trouve pas. Je suis tellement content. D'ailleurs qu'on est... tellement content d'ailleurs qu'on ait enfin un mode tactique digne de ce nom. Chef de guerre, okay. Désactiver les bruits de pas, je ne crois pas que ce soit possible. Ça doit être dans... ambiance ou effet. Effet peut-être. T'as une redit pour le chef de guerre qu'il faut que tu défonces. Ouais. Ok, nice. Merci. Ah, ça marche pas, je peux pas cliquer. Oh no. Si c'est bon, en zoomant ça marche. Oh, let's go. La technique du zoom est validée. Ok, faut zoomer. Ah, ça c'est bon ça. C'est qui ça? C'est notre cher Kra. Je vais l'aider. Comme ça. On peut... Bah lui il peut pas commencer Pyro pour l'instant. Ou alors le bouffe tout mais y a pas assez de points de vie, pas assez de dégâts entre vous deux. Pas. Bah. Oh si ça peut le faire Pyro. Hein. Je pense que vous faites 300. Mon jeu utilise 12 Go de RAM du coup tu disais. Est-ce que tu sais là actuellement ton jeu il tourne à combien de FPS aussi chinois? Je suis sur mono Lilian. La joie des lives en voiture, c'est que je perds la co pendant plusieurs minutes et que je loupe tout. Ah ça, je suis désolé ça. Bon bah ça va, alors dans ce cas, c'est si ton jeu tout seul te consomme 12 Go de RAM, mais que c'est pas dû à autre chose, je saurais pas te dire pourquoi. En tout cas, les gens ont l'air de dire que le multicompte passe bien, 5 comptes, aucun lag, même quand il y a plein de monde. Ah, le mode tactique, Jojo, il est trop bien. Je suis bloqué une fois, lancé mes comptes, je n'arrive plus à choisir un serveur, quelqu'un a eu ça. J'ai eu ça hier. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. J'attaque le bouffe tout noir ou pas? Non. Okay. Si tu fais une redis, si. Si t'arrives à avoir une redis, même pour moi, si. Ouais. Sinon, non. Essaye.
Après, moi, je peux taper au rayon de Wakfu, quoi. Ah bah là, t'as pas de redi en faisant le portail ici. En faisant comme ça, non? Non. Je peux, hein, en soignant et en tapant, mais ça fait que 78, quoi. Moi, je peux pas. Essaye. Ouais, ouais, non, ça vaut pas. J'aurais dû te laisser la redi, mais t'aurais pas pu taper. Allez, vous voulez commencer par le bouffe-tout? Si vous voulez, hein. Mais j'ai pas de redi. Par lui, ok. Allez, je me place. On le fout le tour. Non, c'est, faut pas que je me place là par rapport au tchal. Voilà, hein, c'est tout. Ça me fume que l'Iop il tacle à 100% le bouffe-tout. J'avais pas fait gaffe qu'il le taclait à fond. Ah, mes pyro ils sont buggés les spéciaux. Si jamais. À skip, tous les spéciaux sont buggés. À skip, hein. Ah, mais ça marque dans le chat, c'est qui ping, j'avais pas vu. C'est quoi comme classe pyro, un Sadida? Non, c'est un Kra, ça. Ça va et toi, Tristar? J'ai vu ça, Quatox, mais j'en ai parlé... Enfin, j'ai voulu demander à Touflux, mais il est passé vite fait. Trop vite fait. C'est lui qui l'a fait, et je sais pas pourquoi elle s'est cassée. Dans le 4, on est tac là normalement. Il faut juste que je fasse ça. Je les tue pas. Puis j'ai rien touché donc. Pire, je vais faire un save settings, on va voir. Ouais, non, ça change rien. T'arrives à tuer le. Ah, vous êtes encore deux, après tu me diras. Voilà, c'est le. Là, c'est alcoolique que je tue si je tape. Tu prennes la diagonale sur le bouffe tout noir. Ouais, je vais tuer alcoolique avec. Au pire, je vais essayer feu. Et qui jouera derrière moi. Pourquoi il y a un ping là? Ça servait à quoi le ping du boss là? Là, si on attaque le boss là, ça risque d'être compliqué niveau PV. Je pense qu'il faut attendre un tour de tout le monde. Hein. Ah, oui, par contre, oui, il faut faire un tour full boost. Hein. Ouais. Il faut qu'on tape tous là parce que là, il y a Pyro qui a plus de PA. Même si toi t'es full boost, je pense pas que tu tapes un moins 700. Ah, bah non. Ouais, mettre un titre, c'est considéré comme un cosmétique, Tofu Royal. Pas de plus, hein. T'as l'image, sinon je vais te la host pour te filer le lien à mettre dans la balise. J'ai pas l'image, non. Tofux, il l'a fait entièrement de son côté, et sûrement avec certaines images de son côté, mais... J'ai l'HTML, CSS, JS et le custom field. Bah, j'ai les trois trucs, si tu veux, je peux te les envoyer, mais j'ai pas d'image à t'envoyer. Bon, allez, c'est le tour Rox. On va se le faire. Ça passe bien parce que... Surtout, reste pas devant le portail. Hein, pour tout ouais. Ça. Bah, et ton tour va bientôt être terminé. Je crois que j'ai pas bien placé. Hein. Ouais, là, ton 2, il est il capote là. Ouais. My bad. Le 2 il prend la prio là. Ouais. Bah si, je vais utiliser le portail. En plus du coup t'es devant le portail. Non mais de toute façon là tu pourras pas, ouais, tu peux pas vraiment t'en servir là.
faut que tout le monde puisse, hein, je pense. Si on veut blitz. Vas-y, y'a pas de soucis, Malkabi. Peut-être le lien qu'il a utilisé pour us, son image qui a sauté. Ok. Ah, j'ai pas de rodi, moi, les gars. J'avais ni accès au portail, ni accès à des sorts pour le toucher, à part un remblai, mais... Qu'est-ce que je pense de Dofus Unity ? Graphiquement, et fluide. Le jeu est fluide, graphique parfait. Par contre, interface à revoir. Allez, on se booste les copains et on libère la place devant les portails. Faudrait que je fasse... Tu trouves que les persos sont bonne qualité graphique quand on zoome? Alors de manière générale, je suis sur un écran 2K et les écrans 4K à skip c'est pire. Je trouve que le jeu est pas très net. Je pense que ça manque de netteté un peu sur les persos. Ça fait très... Bah un peu flou, hein, on va pas se mentir. Il y a des petits trucs à changer, ce sera les petits patchs. Un truc que j'aurais bien aimé voir, c'est l'animation un peu des mobs aussi. Parce que nous on bouge, tu vois, tout bouge sauf les mobs. Les mobs, c'est toujours des cartes, quoi. Pas bon, hein. Après, c'est un peu mieux. On utilise le 2, ça va. Ouais. Ah, putain, j'ai pas tapé. Mais c'est pas possible. Et t'as loupé Misanthrope. Mais comment j'ai... Et tu m'as loupé, et tu m'as bloqué l'accès au portail. Bah, c'est ça, j'ai passé mon tour sur la redi. Aïe. Ah, c'est catastrophique. Désolé. Pas grave. Le pauvre Yop, il va pas tenir longtemps comme ça. Ouais, il est mort. Ouais. On dirait que les personnages sont semi-transparents, un peu sombres. Ouais, je trouve qu'il y a une certaine... Je trouve que c'est assez sombre, effectivement. Après, tant mieux que c'est pas moi qui commence, en vrai. Si je commence le boss... Ah non, faut pas que tu commences le boss, bah, tu le blitzkrieg, toi. C'est pour ça... Toi, tu dois terminer, toi, en gros. Enfin, du moins, t'es dernier rempart. Je redis, quoi. Non, je suis pas en fenêtré, moi. Je suis en plein écran avec Alt Entrée. Alt Entrée, ça vous permet de faire ça. Comment je peux faire? Ouais, je me mets là, et puis je vous laisse l'ordi, et puis je la reprendrai après. Hop. Allez. Nickel. Ouais, non, c'est pareil, les gars. Si t'arrives à rembler pour laisser la place, bro, à la fin de ton tour. Rembler pour laisser la place. Bah là, il y a une redi, si tu veux commencer le boss. Force de l'âge. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas rembler, c'est force de l'âge, pardon. Bam. Oh, comment tu l'arraches. C'est une dinguerie. Hop, faudrait voilà. Donner des PM à Pyro, je crois. Ah non, il a assez dans le 2, c'est bon. J'aurais dû mettre le sac sur alcoolique. Pyro, t'as les PM, je peux aider quelqu'un avec ça? Non, donc je passe tour avec. Nickel. Le chat sur la bêta Unity ne fonctionne pas, les amis. T'as bien fait, Gary, pour les stats Vita. Nice. Voilà, bien joué pour le Blitz. Ça a réussi à passer. On a rien droppé. Et vide. Une nouvelle kata. Pourquoi je vois... Ah, j'allais dire, pourquoi je vois juste moi? Ah ouais, donc personne n'a droppé de trucs intéressants, quoi. Non, j'ai rien vu. Oh, bravo. C'est abusé. Il y a une laine qui est tombée sur Pyro. Ça doit être intéressant. Pour les crafts. Pourquoi les petites flèches, là, dans le vide? Pas de chance. Et boum! Qui c'est qui a capturé son premier familier? Oh, il est trop mignon! Oh là là!
C'est vraiment mon familier préféré, hein, le chacha. Hein. C'est mon skin préféré de familier. Hein? Ah bah il a disparu.